Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch Hu Adonai HaMevorach Le'olam Vaed. Baruch Hu Adonai HaMevorach Le'olam Vaed. By wisdom, O Lord, heaven's gates open up with understanding. Oui, Jean 4, 19 avec 4. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le cœur soit guéri. Amen. Que les esprits soient restaurés. Amen. Le cœur brisé se reconstitue au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont faibles, tu les rendras forts. Amen. Tous ceux qui sont découragés, tu leur apporteras soutien, Seigneur. Amen. Je te suis infiniment reconnaissant, car je crois en ta puissance. Amen. Je crois en ton amour. Celui qui manque de l'amour, Seigneur, tu lui accordes, Seigneur, de l'amour. Amen. Celui qui manque d'affection, tu permets que son cœur soit rempli d'affection. Amen. Et celui qui est en train de voir son foyer se déstabiliser, Seigneur, tu reconstruis ce foyer. Amen. Merci pour les fondements que tu renforces. Abba Père, je te dis merci. Qu'il n'y ait pas d'indigents dans cette nation, ni dans cette église. Mais fais en sorte que la prospérité se manifeste, Seigneur, dans cette œuvre. Bénis l'œuvre des mains de tes enfants. Bénis leurs pas, leurs activités. Que leur menu, gros et petit bétail, soit prospère, Seigneur. Que leur grenier ne soit point. Ô Dieu, en rupture, Seigneur. Amen. Que rien ne manque, l'huile et la farine. Seigneur, qu'ils mangent à leur siété, Seigneur. Nous mettons des feux stop dans tous les carrefours de leur vie. Amen. Afin que le diable n'ait plus accès, Seigneur. Amen. Nous mettons des feux verts, Seigneur, devant leur vie. Afin qu'ils aient accès d'aller rapidement. Que la gloire te revienne. Amen. Que la louange te revienne. Amen. Au cours de cette louange, de cette adoration, Seigneur, dispose un cœur, dispose une âme, dispose un esprit pour reconnaître ta sainteté, Seigneur. Amen. Il y a eu une conversation entre Jésus et une femme. Et la Bible dit que cette femme-là était une femme samaritaine. Les Samaritains étaient un peuple païen qui adorait les fétiches. Et les Juifs, qui étaient un peuple de Dieu, ne trouvaient pas nécessaire de collaborer avec ce peuple. Donc il n'y avait pas de salutation entre eux. Saluer un pharisien et un samaritain, c'était comme si tu venais de marcher dans la boue. Donc le juif, tu te vois parler avec un samaritain, il risque même de ne pas parler avec toi. Toi le juif, amen. Amen. Donc, dans leur cousinerie, Jésus vient trouver la samaritaine qui puise de l'eau. Et le Seigneur lui dit carrément, donne-moi à boire. Vous savez la première chose que la femme dit, qu'y a-t-il entre vous et nous?
Est-ce que vous, là, depuis on se connaît, est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'il y a bonjour entre nous? Est-ce qu'il y a bonsoir entre nous? Non. Mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Elle était dans une logique, dans sa raison. Et le Seigneur lui dit, si tu savais qui te parlait, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que lui, il a une eau qui ne tarit jamais, qui ne finit jamais, et qui étanche ta soif toujours. Donc il était en train de faire savoir ça à cette femme. Mais dans la conversation, la femme va prêter attention à tout ce que le Seigneur va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des révélations qui étaient en train de sortir. Le Seigneur lui dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as bien dit la vérité. Parce que tu as eu cinq. Alléluia. Et le dernier, même avec qui tu es, il n'est pas aussi ton mari. Bon. La femme était supplée. Mais dans la conversation, le Seigneur a commencé à montrer que, elle a commencé à discerner que le Seigneur avait de la supériorité. Elle dit, ah, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Je vois que tu es un prophète. Ma fille, l'esprit soit béni. Je regarde le visage, je dis, c'est qui ça? C'est toi. D'accord, que Dieu te bénisse. Et quand elle dit au Seigneur que je vois que tu es un prophète, tu veux être homme de santé, ça va aller. Continue comme ça. C'est les exercices pour faire comme ça tous les jours, ça va aller. Amen. Et la Bible dit, je vois que tu es un prophète. Mais il y a un problème. Nous, nos pères, adoraient quoi? Sur les montagnes. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut t'adorer. Alléluia. C'est à Jérusalem qu'il faut quoi? Il faut adorer. Le Seigneur lui dit, mais vous vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien cette conversation. Mais crois-moi, femme, je vais te dire quelque chose. L'heure vient. Il est conjugué au futur. Vous comprenez? L'heure vient. Ça veut dire que ce n'est pas arrivé. Mais elle est déjà venue. Vous voyez, il y a deux temps que le Seigneur présente à la femme. L'heure vient, mais elle est déjà venue. Elle vient pour ceux qui ne savent pas encore. Mais elle est déjà venue pour ceux qui savent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle vient pour ceux qui ne savent pas encore. Mais elle est déjà venue pour ceux qui savent. Vous voyez, vous devez rester dans le contexte du Seigneur. Parce que l'heure va venir pour ceux qui pensent que c'est dans 10 ans qu'ils vont se marier. Ça vient, attendez 10 ans. Amen. Mais le Seigneur est en train de faire comprendre que pour ceux qui croient que c'est aujourd'hui même, c'est que c'est aujourd'hui. Amen. Il y a deux temps, il y a le futur et le présent. Soit vous acceptez que c'est aujourd'hui, votre miracle va s'opérer. Vous verrez votre miracle s'opérer. Si vous croyez que c'est demain, vous allez passer, ça va venir. Et il y a des erreurs comme ça que les gens font dans la prière. Des gens ont situé leur mariage dans 2025. Seigneur, en 2025, il faut que je me marie. Seigneur, en 2025, il faut que je me marie. La Bible dit, tout ce que sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Quand tu as fini de prier comme ça, tu t'es oublié. Deux mois, trois mois, ta copine se marie. Ta collègue se marie. Ton petit frère se marie. Tu es dans un moment, une atmosphère de mariage. Tu te sens excité, tu veux aussi te marier. Alors, tu vas te marier. Et tu cherches à te marier. Mais tu as oublié que ton mariage, tu l'as ficelé dans 25 ans. Ah oui, j'ai entendu là ça. Mais c'est ça. Faites attention à tout ce que vous dites. Car la Bible dit le pouvoir de la vie se trouve quoi? De la mort se trouve sur la langue. La seule chose qu'il faut faire,
Parce que, heureusement que tout ce que Dieu fait, il y a toujours une porte échappatoire. Mais c'est le diable qui n'ouvre pas des portes et des fenêtres. De sorte que vous soyez emprisonné pour toujours. Mais il dit que tout ce que vous lierez sera délié. Délié. Et tout ce que vous déliez sera aussi délié. L'avantage, c'est que tu peux encore dire au Seigneur, c'est vrai, j'avais dit 2025. Mais je crois que maintenant, là, je suis excité à me marier. Donc, je délie ce que j'ai lié pour 2025 et je ramène ça en 2022. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. C'est pourquoi les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à l'éternel. Alléluia. Amen. L'heure vient où? Où quoi? Adorerons le Père en esprit et en vérité. J'explique pourquoi. Parce qu'il y avait un seul jour qui était un jour de gloire en Israël. Et pour célébrer Dieu, il fallait que tous les Juifs qui étaient à la diaspora reviennent à Jérusalem pour adorer Dieu et faire les offrandes. On appelle ça la fête des moissons, la Pentecôte. La Pentecôte n'était pas une fête de l'esprit. La Pentecôte était une fête de moissons. Où l'année, les Juifs qui étaient à l'intérieur, eux tous cotisaient leurs dîmes, leurs offrandes. Et puis chaque année, ils venaient présenter ça au Seigneur pour leur dire, voilà, tu nous as bénis, nous venons te célébrer. Et c'est pour cela qu'ils partaient à Jérusalem. Maintenant, les païens pour eux, c'était à la montagne qu'ils partaient quoi? Célébrer Dieu. Leur fétiche, leur adoration. Donc c'est ça que la femme revendique. On n'a pas les mêmes dieux. Vous vous adorez à Jérusalem. Nous on adore ici. Hein? Nous on adore où? Sur la montagne. Vous c'est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur va le dire. En vérité, je dois te dire. Dieu cherche les adorateurs. Frère, la façon dont tu as besoin d'argent, et puis chaque jour, tu te lèves à 4h du matin pour aller chercher là. C'est comme ça que Dieu aussi, il cherche les adorateurs. Le verbe chercher, c'est quoi? Chercher, c'est se donner de la peine pour trouver ce qu'on a perdu. Amen. Ou ce qu'on n'a pas. C'est ça, chercher. Alléluia. Amen. Tout le monde dans le missionnaire, rapidement, chercher. Chercher. Oui. Se donner du mouvement. Se donner du mouvement. Ça veut dire, je viens. Se donner du mouvement. Ça veut dire que quand on cherche quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas ça. Là où on est. Vous comprenez? Amen. Déjà, quand tu es en train de chercher, c'est parce que tu n'as pas trouvé ça ici que tu vas ailleurs. Mais malheureusement, les gens qui cherchent Dieu, ils sont dans un lieu où ils ne trouvent pas Dieu, mais ils sont là, ça fait 25 ans. Ils ne voient pas la situation changer. Mais c'est que ce que tu cherches, tu ne te trouves pas. Amen. Des gens sont liés à des amitiés, à des émotions. Ils sont liés à des pratiques, mais ils ne sont pas liés à Dieu. Amen. Dieu pouvait laisser Abraham chez lui. Yeah. Et puis se révéler à lui là-bas. Yeah. Mais il dit Abraham, déplace-toi. Va-t'en. Alléluia. Frère, si tu viens ici 15 ans après, 10 ans après, 2 ans après, tu ne trouves pas ce que tu cherches. Ah. Si tu es inspiré dans l'ailleurs, va ailleurs. Amen. Tu as compris ce que je veux dire? C'est pas une affaire, non. Ça fait 15 ans que je suis là-bas. Bon, là-bas, on m'a nommé chef, ou bien je suis responsable. C'est pas une. Abraham était responsable chez lui. Il avait 75 ans. Il gérait les pieds de son père parce que son père est presque au soir de sa vie. Et même s'il meurt, Abraham devrait l'enterrer. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ses sentiments, ni de ses émotions. Il dit, quitte ton père, quitte ton pays. Et lui dit encore, quitte ta patrie. La patrie et le pays, c'est différent. Le pays, c'est le Gabon. La patrie, c'est l'amour que tu as pour le Gabon. On peut quitter son pays et ne pas
détester sa patrie. Son bon rigueur. Yes. Let me tell you today. Yes. If you believe God change. Tu arrives ou quoi? Tu veux descendre? Can you translate my English? On n'est pas libéré à l'école, on est allé à l'école. Même si ce n'est pas beau, vous savez, le diable est méchant. Vous voyez, aujourd'hui là, on regrette pourquoi on n'a pas aimé. C'est le professeur là même là. Quand il rentre, tu sors. Fait, tu n'aimes pas la langue. Mais aujourd'hui, c'est là où on découvre que c'est grave. On est allé au Ghana à une formation. Les casse-là n'étaient pas convenus. Mais le professeur n'a vu pas seulement. Il n'y a personne pour interpréter. On cherche. Mais d'où vous allez? Et il dit, attends, le gars qui est à côté de toi, lui aussi, écoute, il n'a pas le temps pour toi. Donc tu es assis, perdu au milieu des mondes. Tu deviens ridicule. God help you to understand, to read, to speak very well. Amen. Non, c'est là que je me suis assis comme si tu me rappelais en sixième, cette petite dame là, que nous on n'a pas aimé sa tête. Il y a qu'on sortait là, nous on pensait que nous on boycottait son cours, alors qu'on était en train de se détruire. Frère, allez-y à l'école. Ton professeur, tu l'aimes, tu l'aimes pas, tu n'es pas allé pour l'aimer. Va apprendre ce pourquoi tes parents payent l'argent. Il n'est pas obligé de t'aimer, mais il est obligé de t'enseigner. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'être camarade, mais tu es obligé d'apprendre sa connaissance. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais par contre, ici, on va t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi faire d'Abraham là. Mais on va adorer le Seigneur. Maman, attends, la question de prendre du temps. Non, aujourd'hui c'est un jour de joie. Amen. Donc tout ce que je fais là, c'est pour vous mettre, c'est pour vous mettre dans les conditions. Amen. Hein? Je cherche à décrypter quelqu'un, d'éteindre l'atmosphère. Parce que quand on va rentrer dans la loi et l'adoration, là, moi je n'ai plus votre temps. Je ne parlerai plus avec vous. Je serai dans l'intimité avec mon Dieu. Pour j'ai trop de sujets. Frère, vous venez me voir chaque jour, papa, voilà mon souci, voilà mon souci. Mais frère, quand je rentre seul avec ma femme, mes enfants, on a nos projets, on a nos sujets. Amen. C'est pour cela que apprenez à prier pour vous-même. J'ai juste un petit temps pour vous. Si un homme de Dieu, non, chaque jour, j'ai pris pour que c'est faux. Chaque jour, je ne prie pas pour toi. Il peut se souvenir de toi, mais ce n'est pas chaque jour que je prie pour toi. Parce que ce qu'il fait, Seigneur, souviens-toi de toute l'église au nom de Jésus. Amen. On se souvient de quoi? Toi, tu viens en France. Alors que moi, quand je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants, pour leur étude, pour leur réussite. Moi-même, je veux l'argent. Ici, là-même, je voulais changer même. On m'a fait le débit parce qu'ils voulaient m'aider. C'est pas leur voix qui ont fait tomber la raison. C'est l'agrément. L'agréable voix, d'accord. L'adoration que Dieu a prouvée. Le reste là, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Ça veut dire que si Dieu approuve vos voix, votre adoration, alléluia, des choses extraordinaires peuvent se passer. Bien aimé, laissez Dieu seulement apprécier ce que vous faites. Car tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites le bien. Amen. Et si le Seigneur apprécie ce que vous faites, bien, mais ce qui va arriver, vous n'avez pas idée. La Bible déclare que quand les geôliers sont venus, ils ont vu que les prisons étaient cassées, ils ont commencé à crier, nous sommes morts, quand les Silas sont sortis, ils disent, vous ne voulez point. Nous sommes tous là. Nous n'avons pas fui. Pourquoi n'avons pas fui?
Si Dieu a cassé la prison là, il y a quelqu'un à quoi tu peux intervenir? Non, l'assurance était là. Au lieu de s'évader, ils sont restés. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient Dieu avec eux. Et je vais faire la promesse à quelqu'un ce matin. Des chaînes vont tomber dans la vie des hommes. Des liens vont se rompre ce matin. Des portes vont s'ouvrir ce matin. Parce que ce matin, nous allons célébrer le roi des rois. Acclamez le Seigneur. Exclusivement, on va quitter ici quand le Seigneur voudra. Amen. Ça dépend de moi, ça dépend du Seigneur. Et des heures et des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Cette femme est venue sur là. C'est la collègue de mon fils, moi je dis ça. Il me dit qu'elle veut se pendre, cette femme-là, si tu ne fais rien. Il dit, donne-lui mon bonheur comme ma père. Elle est venue sur tout ce que je disais, elle écoutait comme ça pour se consoler. Mais tout ce que je lui ai dit est arrivé dans sa vie jusqu'à ce qu'on continue d'arriver. Amen. Elle est venue ma père, elle dit, papa, tu peux voir ton ministère. Baptise-moi. C'est la première à réclamer le baptême. On n'avait pas encore fait le baptême ici. C'est ça, non? Et c'est à cause d'elle qu'on a commencé à faire des cas le baptême ici. Parce qu'elle a cru. Et depuis, elle est avec moi. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas t'aider. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez commencer votre adoration et louange en souhaitant joyeux anniversaire à ma fille. Allez, groupe musical, prenez vos micros. C'est le groupe musical Jero et Ben Voice. On acclame le Seigneur, monsieur le président. Est-ce que je peux permettre à Dieu de s'accabler et de consommer à la gloire? Alléluia! Certains dans ce chant, vous ne me connaissez pas, on va l'apprendre. Hein? Vous allez me suivre. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi. C'est connu? Féticher contre toi. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Je suis affecté en province et il y a deux semaines, j'étais en train de me rendre à mon lieu d'affectation. Mon pasteur m'a appelé pour me dire, fils, je vois une attaque dans votre maison, le lieu où tu habites, avec tes quatre collègues. Il m'a dit, je ne vais pas prier pour toi, mais tu m'as chanté cette chanson. J'ai loué le Seigneur avec ce refrain de la fête de peuple. Je suis reparti au lieu d'affectation et le soir où j'arrive, effectivement, mon collègue sort brutalement de la chambre, il vient me trouver, qu'il a fait un songe, on est attaqué, il a commencé à avoir peur. Et les trois jours qui ont suivi, il est devenu totalement fou. Au point que je suis revenu parce que j'ai dû l'amener chez ses parents. Il a fallu que je chante, il a fallu que je loue le Seigneur pour être épargné de quelque chose dans le Seigneur. Je te donne ce témoignage pour que tu réalises que ta louange n'est pas faite. Parce que lorsque tu loues, tu déclares des choses profondes au point que le surnaturel se met en mouvement. Alléluia. Est-ce que tu peux permettre à Dieu de se répandre dans ce monde? Marabouter contre toi. Féticher contre toi.
Mon Dieu, mon Dieu à moi. Il est le Père d'Immensions. Tu fais de mes rêves. Oh, de la pauvreté à la richesse. Mon Dieu, mon Dieu à moi. Il est le Père d'Immensions. Tu fais de mes rêves. Oh, de la pauvreté à la richesse. Mon Dieu, mon Dieu à moi. Il est le Père d'Immensions. Tu fais de mes rêves. Oh, de la pauvreté à la richesse. Mon Dieu, mon Dieu à moi.
aujourd'hui, quand je réalise, je suis vraiment étonné, dépassé, et il m'a étonné.
des dieux. Mais c'est bien merveilleux que le Dieu que nous louons est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et nous voulons le déclarer ce matin. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Je n'attends que le bâtiment de la matinée. Jésus.
voudrais pas ta promotion à échouer. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi ce matin? Ils ont échoué. Alors, je ne t'entends pas le dire avec toi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Tu es d'accord avec moi? Yeah.
la présence du Seigneur. Que tout mal en toi soit guéri maintenant. Amen. Tout mal en toi soit guéri maintenant. Non, l'envoûtement, ça va. L'envoûtement, ça va. Amen. La sorcellerie, qu'on t'a envoûté. Le diable qui agit dans ton ventre. Libère. Prise. Allez, vite. 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 Sors. 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 Allez, vite. Sors. 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 Pas. Allez, vite. 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 Shake the bread. Run. Run. Tout envoûtement dans ton corps. Je paralyse tout mal. Je brise tout mal. J'anéantis tout mal. Nom de Jésus. Tu pars. Tu sors. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Attrapez-la très bien. Reste en prière. Rempli de l'onction. Dès aujourd'hui, la force de l'esprit te visite. Commence à être rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. On va tous se tenir debout. On va lever les mains plus haut que notre tête. Comme ça. Alléluia. Jésus, dans ta main, ce qui t'est mieux.
fille, tu es guérie. Amen. C'est ton foutement que la vie de ton ventre est parti. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut avoir puissamment le Seigneur? Seigneur, parce que il y a quelqu'un qui veut bénir ta vie. Oui. Mais je vais te parler. Si tu as le temps, cherche à me voir. Je vais t'expliquer ce que tu as échappé, même sans le savoir. Et qu'est-ce qui est derrière? Alléluia. On a décidé de t'humilier, de détruire tout autour de toi. De te mettre sous le joug de la servitude. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la servitude? C'est un joug d'esclavagiste. Tout ce que tu fais, tu ne tiens pas pour vie. Et les difficultés autour. Je crois une chose, tu es un Dieu. Quand on va se rencontrer personnellement, et quand je vais te parler, tu comprendras mieux ce que je suis en train de dire. C'est qu'on a mis ta vie en brique, tout le rond. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement du monde. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Pour toi. Faut chaud pour toi. Faut chaud pour toi. Amen. C'est un nouveau. Amen. C'est un nouveau. Amen. C'est un nouveau jour pour toi, bien-aimé. Bonjour pour toi, bien-aimé. Bonjour pour toi, bien-aimé. Parce que Jésus. Parce que Jésus. Parce que Jésus est ressuscité. Est ressuscité. Est ressuscité. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Il te suit, il t'observe. Tu as l'impression que tu es en train de marcher seul. Et que tu es en train d'expérimenter des choses seules. Qui t'angoissent. Des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Parce que c'est toi seul qui subis cela dans le cœur. Et ton cœur, c'est quand on te voit, on dit ah ça va chez elle. Non, quand on la voit, alors que toi seul, tu sais que ton cœur souffre. Ton âme est attristée. Parce que quand je te vois, je ne vois pas vraiment la joie. Tu te débats. C'est comme si tu es dans une piscine ou dans une eau. Tu cherches à sortir, mais c'est quand tu patauges. Et assez de fatigue dans ton cœur, dans ton âme, tu fais trop d'efforts. Mais quand tu vas sortir d'ici, Dieu va placer des pions sur ton chemin. Amen. Écoute-moi très bien. Dieu va placer des pions sur ton chemin. Parce que Dieu a tracé déjà ton sillon. Très tôt, très jeune. Mais ton étoile a été étouffée dans ta famille. Il y a eu trop de combats, de jalousie et de crise. Et cela a perturbé ton étoile. Mais pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, quand j'ai pris le micro avant de descendre, on te dit arrête de chanter d'abord. J'ai vu comme cette étoile-là est en train de briller à nouveau. Amen. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu vas partir d'un voyage. Un voyage qui sera un voyage glorieux. Ça va changer ton histoire. Tu seras très heureuse. Tu vas être une femme heureuse. Je te le dis. Je te le dis. Si tu veux croire, si tu ne veux pas croire, ça ne dépend pas de toi. C'est ce qui a été dit que je suis en train de lire sur ta vie. C'est un destin. Et c'est scellé par Dieu. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui ont cru que ça ne serait pas possible et que ça ne sera jamais possible, tant qu'ils sont vivants, tu ne verras pas ça. Ils ne mourront pas. Ils verront cela. Amen. S'accomplir sous leurs yeux. Mais ils ne pourront pas empêcher cela. Amen. Je te dis ça. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen.